Merci beaucoup, frère Demos. C'est un grand privilège d'être ici ce soir, dans cette assemblée chrétienne, ici, dans cette région glaciale. J'ai appelé chez moi il y a un moment, et il fait environ 10 degrés de plus là-haut dans le nord qu'ici. J'ai dû apporter cela avec moi. Je vais me dépêcher de retourner là-bas en vitesse. Toutes les plantes sont en train de geler. Qu'en penses-tu, Creechy? C'est un... Effectivement. Et je suis si heureux de rencontrer cet excellent pasteur ce soir et de vous voir tous. Je suis arrivé il y a quelques instants. Je viens de Tucson, où je devais me rendre aujourd'hui. J'ai conduit la nuit dernière et je suis arrivé vers 2h30 ce matin à Tucson. Et pendant toute la journée là-bas, je n'ai pas dormi. Je suis parti de là il y a quelques instants. Eh bien, je pense que ça fait environ 1h30 que je suis arrivé ici, ou quelque chose comme ça. Et donc, je n'ai pas beaucoup dormi, mais je vais essayer de ne pas m'endormir ici. Mais nous sommes heureux d'être ici. Ce petit garçon qui joue avec ses microphones ici. Je me suis assis là-bas au fond, sur un des sièges des petits-enfants. Ce petit garçon est venu et m'a regardé bizarrement. J'ai dit, « Nous, les enfants, nous pouvons nous asseoir ensemble, n'est-ce pas ?» Eh bien, j'aime vraiment ces petits-là. Et c'est vraiment agréable d'être ici ce soir, d'avoir ce bel auditoire et tous ces gens qui sont tout autour. Je crois que frère Williams et frère Rose ici vous ont tout dit au sujet de la convention à venir. Je suppose que vous êtes bien au courant de cela. Nous serons au Ramada très bientôt pour la convention des hommes d'affaires. Nous nous attendons à passer des moments merveilleux là-bas. Frère Velmer Gartner, un merveilleux orateur très énergique, et d'autres ministres, Oral Roberts et beaucoup d'autres, seront là. Nous nous attendons à de glorieux moments dans le Seigneur. J'espère qu'un de ces jours, nous aurons un service de guérison là-bas. Ah oui, je serai heureux que frère Oral et moi collaborions. Oui, monsieur. Ne serait-ce pas merveilleux? Ce serait un très bon départ, n'est-ce pas? Un service de guérison au Ramada, ce serait très bien. Donc peut-être que nous ferons ça, vous savez. Il se peut que le Seigneur nous accorde cela, d'avoir un service de guérison. Donc, nous irons, en ce moment, nous allons d'église en église, pour essayer de répandre la bonne nouvelle, de nous associer les uns aux autres et de communier avec toutes les différentes églises. C'est ce que nous croyons, que nous sommes un en Christ. L'autre jour, je parlais à un médecin. Je m'apprête à partir pour l'étranger. Il faut passer un examen médical. Je suis donc allé me faire examiner, et il m'a fait passer un de ses tests cérébraux. Je ne me demandais pas ce que c'est, et il a trouvé quelque chose d'étrange. Il est revenu, il n'arrivait pas à comprendre. Donc il a consulté un groupe de médecins, puisqu'il n'arrivait tout simplement pas à comprendre. Il a dit, « Je n'ai jamais vu ça avant ». Il m'a montré une image ordinaire du conscient et du subconscient, où on pouvait voir qu'ils sont normalement très éloignés l'un de l'autre. Mais il a remarqué que dans mon cas, les deux étaient ensemble. Il m'a dit, « Vous êtes vraiment un curieux personnage. » J'ai dit, « Je l'ai toujours su. Tout le monde le sait. » Il a dit, « Nous n'avons jamais vu ça avant. » Alors, il s'est mis à m'en parler. J'ai dit, « Eh bien, et je dis, vous savez, je suppose que l'Éternel, qui est bon, quand il nous crée, il fait que chacun de nous soit un peu différent de l'autre. Nous ne nous ressemblons pas, et parfois, nous n'agissons même pas de la même manière. Mais il fait cela pour lui, sa propre façon de le faire. Nous entrons simplement dans la grande machine à mouler. Nous restons tranquilles, et il nous façonne, comme il veut que nous soyons. » Et je sais que personne ne voudrait être autre chose que ce qu'il est. La seule chose que nous pouvons tous désirer, après avoir été sauvés et être devenus les enfants de Dieu, la seule chose que nous voulons, c'est d'avoir chaque jour une marche plus rapprochée. C'est ce que nous désirons ardemment, cette grande communion, comme c'est merveilleux.
Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour penser à ce que nous ferions si nous n'avions pas cela? Qu'est-ce que, si cette grande espérance ne reposait pas en nous, que ferions-nous? Je disais dans une des églises, puis-je d'abord à un endroit, puis à un autre, et un peu partout dans le pays, je fais parfois une remarque. Je pense que je l'ai peut-être répété dans la même église. Mais je sortais du bâtiment où j'avais vraiment tapé sur ces gens qui font cette nouvelle danse aujourd'hui, qu'on appelle le twist, ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, je ne sais vraiment pas pourquoi les gens veulent se briser les jambes et agir comme ça. Alors, il y avait un homme d'environ 26, 27 ans qui m'avait rencontré à l'arrière. Il a dit, « Un instant, Monsieur Branham. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Voyez-vous, vous ne comprenez simplement pas. » J'ai dit, « J'espère ne jamais comprendre. » Puis il a dit, « Vous voyez, a-t-il dit, je peux comprendre votre point de vue. » Il a dit, « Vous êtes un homme de 50 ans, mais si vous aviez mon âge, ce serait différent. » J'ai dit, « Attendez un instant. » J'ai dit, « Je prêchais l'Évangile quand j'avais 10 ans de moins que vous. » Je crois toujours au même évangile. J'ai trouvé quelque chose qui remplace tout cela, et servir le Seigneur me donne plus de joie que toutes les choses que le diable peut fabriquer, où que ce soit. Cela donne une satisfaction. Vous savez, David a dit une fois, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et si vous avez déjà vu une de ces petites créatures, quand elle a été blessée, peut-être que les chiens l'ont attrapé et ont arraché un gros morceau de son côté ou quelque chose comme ça. Elle saigne. Et le chien, lui, peut suivre sa trace. Il n'est pas comme un homme. Il peut chasser ce cerf qu'il saigne ou non. Et donc, le seul moyen, si ce cerf saigne, le seul moyen pour lui de survivre, c'est d'aller là où il y a de l'eau. Et si jamais il arrive où il y a de l'eau, il boira cette eau. Cela arrêtera le saignement et il peut alors s'enfuir. Il est très intelligent. Mais maintenant, vous pouvez imaginer une de ces petites créatures blessées qui perd du sang, la façon dont sa petite tête se dressera et elle utilisera tous ses sens pour détecter où se trouve l'eau avec son nez. En effet, elle doit trouver de l'eau, sinon elle périra. Alors, c'est une question de vie ou de mort pour elle. Elle se sert de son odorat. Au possible, elle fait tous ses efforts. Elle la désire ardemment. Elle doit la trouver. C'est ainsi que nous devrions avoir soif de Dieu, voyez-vous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Être caché quelque part avec lui, voilà le désir de mon cœur. Et j'espère que c'est le désir de tous ceux qui sont ici ce soir. Et maintenant, soir après soir, j'aime bien ce que je vois. Les visages qu'on voit à un endroit, on les revoit à un autre. J'aime ça. Vous exprimez ainsi votre communion fraternelle et ce pourquoi nous sommes ici. Et, j'aimerais bien voir un réveil à l'ancienne mode à Phoenix. Oh là là, ce mot Phoenix m'a toujours impressionné depuis la toute première fois que je l'ai lu, que j'ai lu à ce sujet, Phoenix, Arizona. Eh bien, quand j'étais petit, je pensais, si je pouvais un jour me rendre à cet endroit, si je pouvais me rendre là-bas, à Phoenix. Et une fois ici, quand on regarde, on voit que c'est englouti dans les profondeurs du péché, comme partout ailleurs. Les touristes s'y mêlent aussi. La boisson, faire la bombe, l'immoralité, et tout ce qu'il y a là. Et pourtant, au milieu de tout cela, vous trouvez de véritables joyaux que Dieu a secoués et fait sortir de ce désert et qui brillent dans la couronne du glorieux peuple de Dieu. Et c'est pour cela que je suis ici ce soir, pour me joindre à vous, frères et sœurs, pour essayer d'apporter la lumière du Seigneur Jésus aux autres, afin que dans ce grand chaos, on puisse les trouver, eux aussi. Beaucoup d'entre eux sont encore là-bas, au dehors. J'en suis convaincu. Il y en a encore beaucoup qui doivent entrer, et nous devons faire tout notre possible pour les amener et vivre une vie qui reflétera Christ. Maintenant, juste avant de lire un petit passage de l'Écriture, je suis arrivé si tard que je n'ai eu qu'environ 5 minutes pour prendre quelques notes.
Les services de l'impôt fédéral m'ont envoyé des avis récemment et je devais y répondre immédiatement. Il fallait que ma réponse soit estampillée au plus tard aujourd'hui, je pense. Je suis donc allé au bureau de poste et à mon retour, Billy a dit « Tu ferais mieux de te dépêcher ». Et donc, ici, je tourne en rond et en rond avec ces gens-là. Oh là là, on parle de justice sur les portes du palais de justice. Je me demande où elle se trouve. Oui, je n'ai jamais vu ça. Et ils voulaient que je paye des impôts sur chaque chèque que j'ai reçu au cours des 50 dernières années pour payer les dettes des campagnes avec des frais de retard. Voyez, 355 000 $. J'ai dit, vous feriez mieux de me tirer dessus. Comment pourrais-je y arriver? J'ai dit, je n'ai guère plus de 55 cents. J'ai dit, comment pourrais-je y arriver? Et ça fait 5 ans qu'ils me talonnent. Donc, des gens font des contributions. Par exemple, nous faisons une campagne et les gens savent simplement que je m'appelle William Branham. Ils font un chèque pour les dépenses. Les ministres s'en occupent. Je n'ai jamais pris une offrande de ma vie. Et donc, ils reçoivent, je reçois un salaire de mon église, $100 par semaine. Et cette offrande, mais chacun d'eux, vous voyez, qu'ils mettent dans le lendemain matin, la personne qui était à la tête du comité des finances venait et disait, « Frère Branham, vous devez signer ces chèques. » Eh bien, je les signais simplement. Ils les encaissaient. Ils ont donc passé tout ça au peigne fin et ont vu que je n'ai jamais dépensé un seul sou de cet argent pour moi. Mais quand je signais ce chèque, ils ont dit qu'alors c'était à moi, que les gens me les donnaient, puis je les donnais à l'église. Oh là là! Au début, cela me faisait vraiment de la peine. Au début, puis j'ai découvert que tous les hommes de la Bible, je crois, qui ont jamais occupé une fonction spirituelle pour Dieu, ont eu affaire aux gouvernements fédéraux. Vérifiez et vous verrez. C'est vrai. Moïse, Daniel, Jean-Baptiste, Jésus-Christ est mort par la main du gouvernement fédéral, condamné à la peine capitale. Pierre, Jacques, Jean le Révélateur, tous ont subi la persécution. Pourquoi? C'est le siège de Satan. Le savez-vous? Savez-vous que Satan a élevé Jésus et lui a montré tous les royaumes, le monde, en un instant? Et il a dit, « Ils sont à moi. Je fais d'eux ce que je veux, vois-tu? Et je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors vous voyez à qui ils appartiennent? Nous refusons d'admettre que c'est le cas pour notre pays. Mais c'est bien le cas. Alors il a dit, Jésus a dit, « Retire-toi, Satan !» Il savait qu'il en hériterait dans le millénium. Il savait qu'il serait à lui. Quand, si ces pays étaient gouvernés par Dieu, on serait déjà dans le millénium. Mais ce temps-là viendra. Ils ont l'ONU, la Société des Nations et tout pour essayer d'apporter la paix. Mais tant que Satan sera à la tête de tout ça et de la politique, que se passera-t-il? Ils se battront aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mais il viendra un temps où toutes les armes seront rangées et la sonnerie de l'extinction des feux retentira et le matin éternel poindra, resplendissant de beauté. Notre roi s'assiera sur son trône. Oh, il y aura des chants, il y aura des cris, il y aura un seul drapeau, un seul peuple, une seule nation. On parlera une seule langue, la langue céleste. Amen. Je languis après ce moment-là, et je cours vers ce but, en faisant confiance à Dieu qu'un jour, quand ce sera terminé, je pourrais l'entendre me dire, « Monte plus haut. Je suis ici à Phoenix ce soir, au nom du Seigneur. Je n'essayerai pas d'expliquer ce qui s'est passé. Bon nombre d'entre vous qui prennent les bondes, assurez-vous de vous procurer celle intitulée « Monsieur, quelle heure est-il ? » C'était juste avant que je ne parte de chez moi. C'est par une vision que j'ai été envoyé ici. Je ne sais pas ce que... Je ne suis pas un vendeur de bondes et je n'insiste pas sur ces choses. Nous nous les procurons et nous avons un service qui envoie les bondes dans le monde entier. Jusque dans les jungles et partout, ils ont une petite chose qu'ils mettent dans les oreilles, qu'ils ont, et peuvent l'enregistrer dans une bande, et se tenir là, et traduire cela directement dans la langue. Et ça va partout dans le monde. Mais il y en a une que j'avais, c'est « Monsieur, quelle heure est-il ?»
Ou est-ce l'heure, monsieur? Samedi soir, il y a 3 semaines, à l'église. Même si j'ai eu des visions toute ma vie, je n'ai jamais eu quelque chose comme ça avant, de toute ma vie. Et je ne sais pas ce que c'est. Je suis simplement ici. Mais c'est lui qui m'a envoyé ici. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je suis simplement ici. Et je dois être honnête et sincère, parce que le seul moyen d'arriver à quoi que ce soit avec Dieu, c'est d'être sincère. Parce que les hommes le sauront. Dieu sait dès le départ que vous ne l'êtes pas, si vous l'êtes ou pas. Et les hommes le sauront. Parce qu'une fois, il y avait un homme qui essayait de prophétiser, et Dieu a parlé, ou le vrai prophète lui a parlé et a dit, « Souvenons-nous, il y a eu des prophètes avant nous. On ne reconnaît un prophète que lorsque sa prophétie s'accomplit. » Alors, on ferait mieux d'être sûr que c'est Dieu qui l'a dit, avant de dire quoi que ce soit à ce sujet. On doit être honnête et sincère. Maintenant, courbons la tête un instant pour la prière. Rejetons tout souci maintenant, pendant les quelques prochaines minutes. Je me demande, dans ce charmant petit groupe de gens ici ce soir, je sais qu'il se trouve ici des joyaux que Jésus viendra chercher un jour, qui se réveilleront et sortiront de la poussière. Et il y en a peut-être ici qui ne sont pas vraiment sûrs s'ils seront là ou non. Vous avez peut-être besoin d'autre chose. S'il y a un besoin dans votre vie ce soir, faites-le connaître à Dieu, alors que vous levez simplement la main en disant, « Dieu, tu sais ce que je veux dire maintenant. Bénis-moi. Je suis malade. J'ai besoin de guérison. Je suis rebelle. Il me faut revenir à la communion. Je veux revenir. Je me suis égaré. Je reviens. Je veux que tu m'aides ce soir à revenir. Que Dieu vous bénisse. » Père Céleste, nous nous approchons maintenant de ton trône par le sang, car quand Aaron est allé devant le propitiatoire, il a d'abord pris le sang de sa main, puis il s'est avancé. Et nous, par la foi, ce soir, nous recevons le sang du Seigneur Jésus, et nous marchons vers le trône de Dieu avec assurance, sachant que nous avons le droit de nous approcher, non pas par notre propre justice, mais la sienne. Le sang représente notre purification. Et je te prie, Père Céleste, de nous accorder notre demande. Premièrement, nous te demandons d'être miséricordieux envers nous, en nous pardonnant toutes nos transgressions, alors que nous confessons nos torts et nos petites erreurs, et nos péchés secrets et nos péchés inconnus. Et nous confessons aussi, en tant que ministres, nous qui sommes des sacrificateurs, les péchés du peuple. Seigneur, l'union fait la force. Nous aimons le peuple. Nous nous sentons comme Moïse lorsqu'il s'est jeté dans la brèche pour empêcher la colère de Dieu de s'abattre sur le peuple. Quelle démonstration, là, de la justice de Christ lorsque Christ s'est jeté dans la brèche pour sauver le peuple. Et Père, nous, ses serviteurs, avec son esprit en nous, chaque chrétien ici ce soir se tient devant le pécheur. Ô Dieu, sois miséricordieux envers eux. Nous soupirons pour les malades et pour ceux qui sont dans le besoin, pour ces précieuses mains qui ont été levées. Certains sont âgés, d'autres sont jeunes, et d'autres encore sont d'âge mûr. Tu sais tout à ce sujet, Seigneur. Nous te prions de répondre selon la richesse de ta gloire. Qu'ils soient nombreux à repartir d'ici ce soir, Seigneur. Ceux qui sont venus, malades, qu'ils repartent rétablis, guéris. Que quelque chose se produise, quelque chose qu'ils ne pourront même pas expliquer, mais qu'ils sachent qu'ils sont rétablis. Que ceux qui sont rebelles repartent justifiés, Seigneur, sachant qu'ils sont retournés et ont retrouvé Christ là où ils l'avaient laissé. Qu'ils fassent des restitutions. Fais, Seigneur, que ceux qui ne sont jamais venus trouvent cette précieuse liberté, qu'ils soient libres, libérés de la cage, qu'ils ne soient plus liés par les choses du monde et les soucis de cette vie, mais qu'ils soient rendus libres en Christ. Accorde-le, Père. Bénis tout ce dont nous avons besoin maintenant, et bénis ta parole et ton serviteur, et nous te rendrons gloire. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Maintenant,
si nous devions lire un sujet de l'Écriture, ou plutôt prendre un passage de l'Écriture comme sujet. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8, dit ceci, dans 1 Corinthiens 14, 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Ce passage contient assez de matière pour prêcher pendant les deux prochaines semaines, et on n'effleurerait même pas le sujet. Il y a quelque chose à propos de la parole. C'est inspiré. On peut passer beaucoup de temps sur ce même sujet, puis s'en servir pour faire le lien entre tous les passages de la Bible. C'est exact. Un jour, un homme m'a demandé, « Comment pouvez-vous prendre le même passage ?» J'ai répondu, « Oh là là, vous pouvez en tirer n'importe quel contexte. » J'ai ramassé un petit trèfle à trois feuilles qui était sur le sol, et je l'ai tenu dans la main. Cet homme est ici ce soir. Il vient de Tucson, et nous étions à Pasadena, en Californie. J'ai dit, je pourrais prendre ce trèfle à trois feuilles et prêcher pendant 25 ans là-dessus. Parler de la vie qui se trouve à l'intérieur, de ces trois folioles qui représentent la Trinité en un. Et, oh, il y a tellement de choses que nous pourrions dire à son sujet. Alors, qu'en est-il d'un passage de l'Écriture? C'est la parole de Dieu. C'est éternel. Ça n'a pas de fin. Ça continue et continue et continue. C'est un refuge pour nous. Et maintenant, ce soir, je veux parler de ceci. Une trompette rend un son confus. Je pensais à cela il y a quelques instants, alors que je réfléchissais à ce problème d'impôt sur le revenu. Je me suis dit, il n'y a presque rien de certain aujourd'hui. Tout est tellement incertain. Et on ne peut pas faire confiance à ce qui est incertain. On ne peut pas faire confiance à ce qui est incertain. Si ce n'est pas certain, tenez-vous loin de cela. Si vous avez une entreprise, et là, il y a des hommes d'affaires ici présents, il y en a peut-être même beaucoup. Si vous dirigez une entreprise qui n'est pas certaine, vous n'allez pas investir beaucoup là-dedans, parce que le dividende est incertain, et vous ne feriez pas beaucoup d'investissements dans cela. Ou, si vous êtes un bonhomme d'affaires astucieux, vous attendrez et chercherez, si vous avez de l'argent à investir, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de certain, quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel vous pouvez compter, parce que vous ne voulez pas perdre la petite somme d'argent que vous avez économisée, parce qu'avec cet argent, vous devez gagner votre vie grâce à la rémunération provenant des dividendes tirés de cet investissement. En effet, il vous faut de l'argent pour vivre. Et cette petite somme d'argent que vous avez économisée, ne la laissez pas traîner dans votre poche, parce que les voleurs s'en empareront. Voyez, non, ne faites pas ça. Si vous l'avez, investissez-le dans quelque chose. Et là, vous devez être sûr et certain de votre investissement. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, ne l'investissez pas du tout. Alors, les affaires sont certainement dans une position précaire ce soir. Pratiquement chaque entreprise dans le monde est dans une position précaire, parce que le monde est dans une position précaire. Vous ne pouvez pas vous permettre, maintenant, je vais économiser tel montant d'argent pour me construire une jolie petite maison quelque part. Ça, ce n'est pas très sûr. Je peux vous le dire, parce que le gouvernement pourrait tout reprendre du jour au lendemain. Oh, des choses qui ont rendu notre démocratie si corrompue qu'elle est très précaire. Autrefois, nous pouvions avoir une très grande confiance dans notre démocratie. Et je pense vraiment que c'est la meilleure forme de gouvernement. Mais notre démocratie est quand même précaire. En effet, nous, cette nation, notre peuple, nous avons une constitution. Et cette constitution est notre point de référence final.
Et pourtant, là aussi, notre constitution est fragile parce qu'elle a déjà été violée de nombreuses fois. Feu, Monsieur Roosevelt l'a ravagée. Donc, vous voyez qu'elle peut être violée. Vous ne pouvez pas y accorder une grande confiance. La politique, oh là là, comme c'est fragile. Les gens se disputent et se disputent et se disputent à propos de la politique. Les voisins se brouillent à propos de la politique. Des gens qui étaient autrefois de bons amis. Un président se lèvera ou quelqu'un présentera sa candidature pour être shérif ou quelque chose comme ça. Là, quelqu'un d'un autre bord politique et ils se querelleront jusqu'à se brouiller à cause de la politique. Et j'espère ne blesser personne, mais je pense que tout ça, c'est pourri. Vous voyez? Oui, monsieur. Alors, pourquoi faire des histoires et se quereller pour quelque chose qui n'est pas bon de toute façon? C'est vrai. C'est vraiment très mauvais. Quelqu'un m'a parlé l'autre jour. Il a dit, allez-vous voter lors de cette élection-ci? J'ai dit, j'ai déjà voté. Il a dit, oh, lors de cette élection-ci, j'ai dit, j'ai voté pour Jésus. J'ai dit, je vais vous dire, il y avait deux personnes qui votaient pour moi. J'ai dit, Dieu a voté pour moi et le diable a voté contre moi et j'ai voté pour Dieu. Donc, j'ai bien voté. C'est pourquoi vous votez détermine ce que vous obtiendrez. Alors, remarquez, tout récemment, simplement pour vous montrer un fait. Et ensuite, nous passerons à autre chose. Dans cette dernière élection présidentielle, il était prouvé sans l'ombre d'un doute, à Chicago et à d'autres endroits, que les machines avec lesquelles on doit voter ont été configurées par le Parti démocrate. Et chaque fois qu'une personne votait pour M. Nixon, une voix était enregistrée pour M. Kennedy en même temps. Donc, vous n'avez aucune chance. Et cela a été prouvé. Et vous avez écouté le moniteur l'autre soir, quand ils ont fait un sondage à travers le pays, du Mississippi à l'Est. Selon ces appels téléphoniques, M. Nixon avait le vote de 4 personnes sur 5. Comment un homme peut-il gagner? Si ça avait été M. Kennedy, ça aurait été la même chose. Je ne prends position pour aucun parti. Mon parti est au ciel, et je suis là avec eux ce soir. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et nous parlons de notre roi. Mais vous voyez, j'essaie de vous dire que ces choses de la terre sont en train d'être ébranlées. On ne peut avoir aucune confiance en ces choses. Elles sont incertaines. Et toute chose qui est incertaine, je préfère m'en éloigner. Je n'aime pas ce qui est négatif. Je n'aime pas être du côté négatif. J'aime que c'est positif. Être du côté positif. Maintenant, la vie de famille est devenue incertaine. Vous savez, j'ai vu un article l'autre jour quelque part, dans l'un des journaux, qui disait que le taux de divorce en Amérique est plus élevé que dans n'importe quelle autre nation du monde. Et nous sommes censés être une nation religieuse. Oui, ça pourrait être ça, la religion, d'accord. Mais ce n'est pas la religion appropriée. Vous voyez, la religion n'est qu'une couverture. C'est difficile de dire ce que nous utilisons pour fabriquer notre couverture. Adam a essayé d'en fabriquer avec des feuilles de figuier, et ça n'a pas marché. C'était très précaire quand il a dû sortir pour rencontrer Dieu. Donc, la religion ne répond pas à tout. Mais pouvez-vous imaginer que notre taux de divorce est plus élevé que celui de tous les autres pays, notre taux de divorce? Nous voyons que l'immoralité gagne du terrain dans nos foyers. C'était stupéfiant de découvrir que un grand pourcentage dans le sondage fait à travers le pays est dans je crois que c'était dans l'Ohio qu'un sondage a été fait sur le christianisme. Et c'était alarmant de voir le nombre de gens qui n'allaient même pas à l'église. Et puis, environ 80% de ceux qui fréquentaient une église ne savaient pas pourquoi ils y allaient. Ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Ils vont juste à l'église. Pourquoi y allez-vous? Eh bien, notre mère nous y emmenait quand nous étions petits, et nous continuons simplement à y aller. Et puis là, une autre proportion de ceux-là ont dit qu'ils y allaient seulement pour rencontrer leurs voisins et parler un peu. Voyez-vous?
Eh bien, c'est alarmant. Ce n'est pas étonnant que la vie de famille ait disparu, vous voyez. Toute vie de famille qui n'est pas stable. Toute femme qui va épouser un homme, si elle n'est pas certaine de cet homme, elle ferait mieux de le laisser de côté. Et tout homme qui va épouser une femme, s'il n'est pas certain, ferait mieux de la laisser de côté. Vous feriez mieux de prier jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que Dieu vous donne la réponse à ce sujet. Et alors, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais nous, tout d'abord, nous devons prier à ce sujet jusqu'à exaucement. Oui. Maintenant, nous voyons qu'on a essayé de convertir le monde par un programme pédagogique. Et on a vraiment fait tout un gâchis, c'est sûr. Vous ne pouvez pas convertir le monde à Christ par l'instruction. L'instruction entraîne l'homme loin de Dieu, plus qu'elle ne le rapproche de Dieu, parce qu'il essaie de penser qu'il est plus intelligent et qu'il en sait plus que quelqu'un d'autre. Aussi bonne que soit l'instruction, Christ n'a jamais chargé son Église d'instruire le monde. Il ne les a jamais instruits sur l'établissement de séminaires. Il n'a jamais Oh, ces choses sont bonnes. Il ne leur a jamais demandé d'aller construire des hôpitaux. C'est très bien. Mais le devoir de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Aller par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute la création. Voyez-vous? Mais tout ce qui est différent de cela devient précaire, parce que c'est en dehors du programme de Dieu. La vie nationale est incertaine. Eh bien, le monde est incertain. Nous en sommes au point où le monde entier a un effondrement nerveux, on dirait. Tout chancelle, chaque nation, tout le monde, l'une a peur de l'autre. Ils parlent de paix. Là, une fois, ils ont dit, « Oh, quand nous aurons terminé la Première Guerre mondiale, il faut que tous nos garçons y aillent. Alors, cela mettra fin aux guerres. » Eh bien, ils n'avaient même pas eu le temps de voir la fumée de l'artillerie se dissiper, qu'une autre avait éclaté. Puis, ils ont créé la Société des Nations pour qu'elle serve de gendarme du monde. Mais elle a échoué. Maintenant, il y a l'ONU. Mais c'est exactement la même chose. Ça a déjà échoué. Ça ne vaut rien. Tout est chancelant. La vie nationale, la vie politique, les machines à voter, oh là là, ils sont juste, tout est ébranlé, tout. Maintenant, je veux faire un rapprochement avec ce qui se passe chez nous. Voyez-vous, la vie de l'Église est ébranlée et incertaine. Eh bien, c'est de cela que Paul parlait, voyez, c'est ce qu'il voulait dire. Si une trompette rend un son confus, la vie de l'Église est ébranlée. Les gens savent à peine quoi faire. Ils se promènent, errant d'une église à l'autre, essayant de trouver laquelle a la chose véritable, allant d'un endroit à l'autre, essayant de trouver ce qui est juste. Où est la vraie doctrine? Et quelqu'un viendra. Il pourra expliquer cela, démontrer presque parfaitement que son credo est vrai. Et alors, bien vite, ils trouvent tellement de corruption dans cette chose qu'ils essayent une autre église pour voir quel est leur credo, leur doctrine. Oh, toutes ces choses, nous constatons que nous nous sommes donc divisés par ces choses en centaines d'églises différentes. Maintenant, il n'y a rien contre cela. C'est ainsi pour qu'ils puissent faire les autres choses, faire ce qu'ils font. Et il doit bien y avoir quelque chose de bon qui provient de cela, quelque part. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas mettre votre confiance dans le fait de dire « Je fais partie de l'Association méthodiste des églises. » Et tout est en ordre parce que j'en fais partie. Je fais partie de l'Association baptiste et tout est en ordre. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez même pas le faire quand vous dites que vous faites partie de l'Association des églises pentecôtistes. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça, parce que ce n'est pas le cas. Nous découvrons que lorsque notre première association pentecôtiste, le Conseil général, a été établi, au bout de quelques temps, ils ont commencé à se diviser, puis à se diviser encore. Il y a eu des controverses et des questions doctrinales. Regardez maintenant ce qu'il en est partout. Vous voyez, cela montre que c'est incertain.
ceux qui mettent leur confiance uniquement dans l'organisation, ça c'est incertain. Là, vous diriez, frère Branham, vous nous mettez dans une situation très difficile. Vous peignez un tableau terriblement sombre. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais le faire. Je l'ai fait dans un but, pour pouvoir dire ceci. Y a-t-il quelque chose de certain? Oui, il y a une chose qui est certaine. Oh, je suis si heureux de cela, qu'il y ait une chose dans laquelle vous pouvez mettre votre confiance et être sûr que c'est juste. Oh, quand tout le reste aura disparu, ceci subsistera. Si vous lisez dans Matthieu 24, 35, il a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. » Dieu a un fondement solide. Un vieil homme a dit une fois, un vieil homme de couleur dans le sud, il transportait une Bible et il ne savait pas lire. Et on lui a dit, « Pourquoi transportes-tu cette Bible, Sam ?» Il a dit, « C'est la Sainte Bible. » Il a dit, « C'est écrit dessus. » Et il a dit, « Je la crois, de la couverture à la couverture. Et je crois aussi la couverture. » Il a dit, « Parce qu'il y est écrit la Sainte Bible. » Et l'homme qui lui parlait a dit, « Tu ne crois pas à tout ce qui est dedans ?» Il a répondu, « Oui, monsieur, bien sûr que oui. » Il a dit, « Tu veux dire que tu ferais tout ce que la Bible te dit de faire ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Et si la Bible disait à Sam de sauter à travers ce mur de pierre là, que ferais-tu » Il a dit, « Je sauterai. » Il a ajouté, « Comment vas-tu passer à travers le mur de pierre sans qu'il y ait un trou ?» Il a répondu, « Si la Bible disait à Sam de sauter, il y aurait un trou quand Sam y arriverait. » Alors, c'est à peu près ça. Il y aurait un trou là. La seule chose que vous devez faire, c'est de prendre position pour la parole de Dieu. Et Dieu pourvoira d'un moyen pour le reste. Oh, ce grand fondement! Je crois qu'il a dit dans Luc, je crois que c'était en descendant de la montagne. Il a dit aux disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et l'un a dit, « Jérémie et les prophètes, et ainsi de suite. » Et il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est alors que Pierre a fait cette déclaration remarquable. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Qu'est-ce donc sur la vérité révélée de la parole de Dieu? Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et il était révélé à Pierre que c'était la parole de Dieu confirmée. Amen. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire, « Qui peut me déclarer coupable de péché? Qui peut m'accuser ?» Tout ce que la parole a écrit à mon sujet, je l'ai accompli. Dieu avait confirmé qu'il était la parole. Oh, c'est ça. Dieu a manifesté. La parole le dit. Et ensuite, Dieu le rend réel, l'accomplit, le montre. Il y a des années, quand on a dit à l'Église, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Ce n'est qu'une émotion qui pousse les gens à s'emballer. Mais ceux qui l'ont reçu savaient que c'était la vérité. Ils savaient que Dieu était réel. Et il était prouvé que jusqu'à maintenant, le mouvement pentecôtiste de Dieu partout dans les pays a amené plus de gens à Christ que tous les autres. Il n'y a pas longtemps, il était écrit dans le journal catholique « Notre visiteur du dimanche ». Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, l'une ou l'autre, que l'Église catholique n'a enregistré qu'un 500 000 de convertis, alors que les pentecôtistes, eux, en ont enregistré 1 500 000. Amen. Qu'est-ce que c'est? Elle prend de l'ampleur, la parole de Dieu qui se répand à l'étranger.
comme nous devrions être reconnaissants. Elle se répand tellement que même maintenant, les épiscopaliens, les presbytériens, les luthériens et tous les autres viennent pour en recevoir. Vous remarquerez que dans les réunions des hommes d'affaires, vous les entendez parler de différents groupes, les épiscopaliens, les luthériens, les presbytériens. Eh bien, vous n'entendez plus que très rarement parler d'un pentecôtiste qui fait quelque chose. C'est vrai, c'est tous les autres. Pourquoi? Ils ont vu la faiblesse de leur credo et ils sont revenus à la parole. Là, vous trouvez un fondement, quelque chose qui est inébranlable. On y trouve le Saint-Esprit qui vit sa vie dans des êtres humains. Il se manifeste au monde et cela amène les hommes à avoir soif de lui. La parole de Dieu, inébranlable, incontestable, manifestée et qui montre ce qu'il est, la parole elle-même, vivant à travers la vie humaine. Que c'est merveilleux! Il n'y a rien d'incertain là-dedans. Vous pouvez voir où Dieu a fait une promesse. La voici en train d'être manifestée. Il y a des centaines d'années, les prophètes en ont parlé. Et ici, nous voyons cela s'accomplir. Avec toutes les critiques, avec toutes les différences, avec tous les credos, ils ont essayé d'étouffer cette parole de Dieu. Ils ont essayé de la remplacer par l'instruction. Ils ont essayé de la remplacer, de faire une dénomination. Ils se sont embrouillés. Et malgré tout cela, la parole de Dieu est aussi brillante et éclatante qu'elle l'a toujours été. Qu'est-ce que c'est? C'est cette chose qui est certaine. Dieu a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. Alors, c'est quelque chose qui est certain. Si vous voulez vous ancrer, ancrez cette parole dans votre cœur. David a dit qu'il l'a serrée dans son cœur afin de ne pas pécher. Il a écrit ses lois sur le montant de lit et les a liées à ses mains et partout, mettant sa parole toujours devant lui. C'est comme ça qu'il faut faire. Gardez votre esprit constamment. Dieu a dit à Josué, « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et quand toute l'Église s'unira ensemble, loin de ses credos, et se tiendra sur la parole de Dieu, alors l'Église réussira. Voilà ce qui écrasera le communisme. » Qu'est-ce qui a fait le communisme? Cette chose à laquelle vous pensez, le communisme, on en fait la propagande et ça prend de plus en plus d'ampleur. Des personnes par millions et les gens en ont peur. Ce communisme-là va disparaître et mourir. Il le faut. Le communisme, il pourrait faire ceci, il peut faire cela. Je crois que Dieu va l'utiliser. Mais c'est vrai, tout comme il l'a fait avec Nebuchadnezzar. Il va écraser toute livrée. Enlevé par le communisme. Mais cela, non, voilà, c'est ça. Mais regardez, mais cette chose, le communisme aura une fin. Le communisme aura une fin. Mais la parole de Dieu n'a pas de fin, parce qu'elle n'a pas eu de commencement. Amen. Elle est éternelle avec Dieu. Et si vous êtes ancré, et que la parole est ancrée en vous, alors vous êtes éternel avec la parole. Amen. Tout doit arriver à sa fin. Toutes ces choses sont précaires. Peu importe la taille du pilier qu'ils construisent, il doit tomber. Tout ce qui n'est pas de la parole, tout ce qui est contre la parole ou contraire à la parole, devra s'écarter. Cela devra céder la place, parce que la parole vient en triomphe. Rien ne peut l'arrêter. Dieu l'a dit. Quand il la prononce, les cieux et la terre passeront, mais elle ne faillira jamais. Serrez cette parole dans votre cœur, comme il faut prendre cette parole et la laisser croître. Gardez-la toujours dans vos pensées, parce qu'elle ne faillira jamais. La parole de Dieu ne faillira jamais, parce qu'il a dit qu'elle ne faillira pas. Nous voulons nous en tenir à cela. Maintenant, Paul a dit dans les Écritures que c'est comme former un soldat. Former un soldat à reconnaître un son. Maintenant, un soldat doit apprendre les sons de son, du clairon ou de la trompette. Il ne sait pas si le son de la trompette indique s'il doit charger ou battre en retraite. S'il ne connaît pas la différence, quel genre d'armée auriez-vous? Une armée confuse.
L'ennemi triompherait certainement d'une troupe de soldats qui ne sont pas mieux formés que cela. Amen. C'est le problème de nos églises aujourd'hui. Nous les formons selon des credos. Elles sont différentes les uns des autres. Nous devons être unis. Nous devons connaître la trompette. Alors, quelle est la trompette, disent-ils? La trompette de l'Évangile. C'est ça la trompette. La parole du Dieu vivant. C'est la trompette. Ne mélangez rien avec elle. Ne demandez pas à quelqu'un de jouer de l'harmonica et à l'autre de souffler dans un clairon. Personne ne saura quoi faire. Cela apporte la confusion. Et Paul parlait de former un homme à reconnaître un son. Et dès que ce son retentit, il sait exactement ce qu'il doit faire. Parce que le joueur de clairon a reçu des ordres du capitaine en chef. Et quand il sonne de cette trompette, l'armée sait exactement là où il faut avancer et là où se retirer. Et s'il faut tourner à droite ou à gauche, ou quoi faire, par le son de la trompette. Maintenant, l'armée, la guerre, ça a toujours été la guerre. Nous ne nous sommes jamais joints à l'église ou nous ne sommes pas venus dans l'église pour venir à un pique-nique. Nous devons être conscients que nous venons sur un champ de bataille. Je ne viens jamais pour que les gens me passent la main dans le dos et disent « Frère Branham, vous êtes une personne merveilleuse. » Non, monsieur, je viens là avec un bouclier. Je n'ai pas besoin de bouclier pour cela. Je viens avec un casque et l'armure. Je viens pour me battre pour chaque pouce de terrain. Dieu a dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Donc, les empreintes de pas signifiaient la possession. Et quand l'Église arrive à un endroit où elle fait des compromis avec des credos, et des compromis avec la parole, et des compromis avec le monde, je veux dire, alors elle perd du terrain, elle recule. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est que des soldats s'emparent de toutes les promesses divines de cette Bible, que Dieu a promises à l'Église, qui revêtent l'armure complète de Dieu et qui tiennent ferme. C'est ce dont nous avons besoin, des soldats. Pas un uniforme pour un défilé. Ils sont toujours différents. Quand un homme, toute nation, nous avons des espions dans toutes les nations. Nous avons des espions allemands ici. Nous avons des espions anglais ici. Nous avons des espions en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à découvrir quel genre de substance, quel genre de bombe l'autre possède. Le FBI est présent dans presque chaque pays. Ils observent pour voir. C'est comme ça qu'ils survivent. Ils observent et voient quel genre de bombe l'autre possède. Puis ils reviennent et l'améliorent un peu ou font quelque chose pour contrer cela. Les nations, elles ne se font pas confiance, ce qui montre que les nations chancellent. Eh bien, l'Angleterre nous ferait sauter d'ici une heure si nous leur faisions obstacle. Ou nous les ferions sauter. Il suffit que quelqu'un à la tête, là-bas, prenne un petit verre ou deux de trop, ou se querelle à cause de quelque chose, et voilà, c'est parti. Ici, il n'y a pas longtemps, pendant la guerre, on disait, au sujet de petits articles, fabriqués au Japon, on jetait violemment cela sur le sol, et on passait outre par patriotisme. Maintenant, on paye plus cher pour cela que pour tout autre article fabriqué ici, dans le pays. Que s'est-il passé? Est-ce que cela compense la vie de ces garçons qui sont morts là-bas? Certainement pas. Qu'est-ce que c'est? Peu m'importe combien vous vous battez à cause des choses matérielles. Vous allez, ça ne veut rien dire, ça chancellera. Mais il y a un combat dans lequel vous pouvez vous engager et gagner du terrain qui ne pourra jamais vous être enlevé. C'est le son de la trompette de la parole de Dieu, l'Évangile. Elle possède les dons et les promesses qu'il a données à l'Église. Certainement. Maintenant, nous voyons le son rendu par cette trompette. Maintenant, chaque nation essaie de fournir à ses hommes le meilleur équipement qui soit pour leur défense. Or, je sais que parfois ces armures ne sont pas faciles à porter. J'avais un frère, on l'appelait Rookie, qui est allé là-bas, et l'armée lui a donné un sac de 40 kilos qu'il devait porter sur le dos. C'était presque son propre poids. On lui a donné une pelle pour creuser les trous, un fusil et tout un tas de grenades à main. Et oh, je n'ai jamais vu un tel paquetage. Le pauvre jeune homme pouvait à peine bouger. Puis, on l'a emmené sur la route pour une randonnée de 8 kilomètres.
ça l'a presque achevé. Il a dit, « À quoi servent ces bêtises? À quoi me sert ce gros casque ?» Maintenant, regardez, l'armée sait qu'il en aura besoin un jour. À quoi me sert une pelle, ici sur la route, alors que je marche? Vous feriez mieux de vous habituer à l'utiliser. Vous pourriez en avoir besoin. Le gouvernement ne va pas distribuer quelque chose à moins de savoir. Il sait que vous allez devoir l'utiliser. Vous devez vous entraîner pour cela. Ils trouvent les meilleures choses qu'ils peuvent trouver pour vous protéger, parce qu'ils s'intéressent au pays. Ils ont intérêt à ce que vous ayez le meilleur équipement possible pour vous protéger contre les balles. Ça a toujours été le cas. Cela a commencé dans le jardin d'Éden. Et Dieu forme son Église. Et le, vous savez, nous devons toujours améliorer ce que nous avons. En effet, les vieux avions que nous utilisions pendant la Première Guerre mondiale, là, pendant la Seconde Guerre mondiale, ces petits engins dans les airs étaient rendus complètement désuets quand ils ont fabriqué ces bons gros avions, ces super avions qu'ils avaient. Eh bien, ces petits engins ne valaient plus rien. Et maintenant, ceux qu'ils ont utilisés pendant cette dernière guerre sont obsolètes. Ils n'en ont plus besoin. Ils ont des avions à réaction. Et voyez, on essaie toujours d'améliorer les choses pour se défendre. Mais vous savez quoi? Dieu n'a rien à améliorer. Dieu a donné à ses enfants, ses soldats, la meilleure chose qui pouvait leur être donnée. Quand il leur a donné, qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné sa parole dans le jardin d'Éden. Et l'homme devait se fortifier derrière la parole de Dieu. Et aucun démon ne pouvait l'atteindre. Restez dans la parole. Maintenant, l'espion ennemi, Satan, a essayé de trouver ce qu'il pouvait faire pour s'infiltrer là-dedans. Alors, il savait qu'il ne pouvait pas se présenter là et l'a bluffé. Alors, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de l'amener à raisonner. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui pour fortifier son Église, sa parole. Et Satan vient avec le pouvoir de raisonnement. Satan savait que c'était là le point faible. C'était l'endroit où les gens céderaient le plus facilement, au niveau du raisonnement. Vous dites, laissez-moi raisonner avec vous. Est-ce que cela est vraiment nécessaire? Si Dieu a dit que c'était nécessaire, c'est nécessaire. Que nous ayons à pleurer, à pleurnicher et à faire tout ceci. Si Dieu a dit que le baptême du Saint-Esprit est nécessaire, peu m'importe combien cela pèse et combien vous devez abandonner de choses du monde, vous allez devoir l'utiliser un de ces jours pour rester en vie. C'est le seul moyen de survie. Maintenant, devons-nous pratiquer la guérison divine alors que nous avons les meilleurs médecins du monde? Dieu vous a donné la guérison divine parce qu'il sait que vous devez l'utiliser. Il vous a donné les dons de l'Esprit. Et dès que Satan s'est approché d'Ève, il a commencé à raisonner avec elle. Bon, certainement que Dieu ne ferait pas cela. Aujourd'hui, les gens disent, l'enfer n'existe pas. Beaucoup d'entre eux vous disent cela. Voyez-vous, oh Dieu, ne brûlerait certainement pas ses enfants. Certainement, il ne brûle pas ses enfants. Mais le diable fera à ses enfants à lui. Vous êtes l'enfant de qui? Cela reste à savoir. L'enfer a été créé pour le diable et ses enfants, pas pour les enfants de Dieu. Aucun d'entre eux n'ira là. C'est vrai. Ça dépend de qui vous êtes l'enfant. Maintenant, Dieu a donné à Ève et à Adam sa parole. Et il ne l'a jamais changée. Il a toujours eu le chrétien ou le croyant. Sa défense, c'est la parole. Les cieux et la terre passeront. Chaque credo disparaîtra, chaque dénomination échouera, chaque nation sombrera, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Il y aura un temps où l'étoile du matin ne brillera plus, il y aura un temps où le soleil ne brillera plus, où la lune ne brillera plus, où le monde ne tournera plus sur son orbite, mais la parole de Dieu restera toujours la même. Oui, c'est quelque chose qui est inébranlable. Quelque chose sur lequel on peut compter. C'est certain. Si Dieu dit quelque chose, c'est certain que ça arrivera. S'il a dit dans le jardin d'Éden qu'il enverrait le Messie comme rédempteur, c'était certain d'arriver. Même s'ils ont attendu pendant 4000 ans, il est arrivé. Il devait venir parce que c'était une parole promise de Dieu. Dieu a promis de l'envoyer de nouveau. Il sera là, peu m'importe le nombre d'infidèles et de sceptiques qui s'élèvent, peu m'importe ce qu'ils font,
peu m'importe à quel point le communisme se propage, Jésus-Christ viendra et il prendra une église lavée par le sang et l'on mènera en voyage jusqu'au ciel. Pourquoi? C'est certain qu'il en sera ainsi. La parole de Dieu l'a dit. Si tu peux croire, tout est possible. C'est certain. Dieu l'a dit et cela est inébranlable. Cela ne peut pas être ébranlé. Dieu l'a dit. Si vous pouvez simplement vous en tenir à cela. Maintenant, et si vous avez la foi en cela, croyez-y. Ce n'est pas un son confus. Dieu ne peut pas rendre un son confus. Les credos peuvent rendre un son confus. Les dénominations peuvent prêcher un son confus. Mais Dieu ne peut pas émettre un son confus. Et cette parole est Dieu. Et il n'y a rien d'incertain dans la parole. Tout est absolument certain. En effet, l'armure de la grande Église, c'est la parole. Quand Jésus est venu, a-t-il utilisé cette même armure? Il l'a certainement utilisée. Quand Satan est venu à lui, dans toute sa force, et qu'il a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, fais telle et telle chose », il a dit, « Il est écrit », un retour directement à la parole. Satan l'a éprouvé un peu plus haut. Mais Jésus, se référant directement à la parole, il est écrit. Il s'en est tenu là, à cette parole, nous montrant l'exemple. Comme il l'a dit dans 1 Corinthiens 1, dans Jean 14, 13, « Je vous ai donné un exemple. » Et c'est bel et bien un exemple pour nous que nous devrions mettre notre confiance catégoriquement et parfaitement dans la parole de Dieu. Que tout le reste soit reconnu pour mensonge. Voilà une chose qui est certaine. Dieu a fait la promesse, Dieu va tenir la promesse. Ils disent, comment cette chose-ci peut-elle arriver? Comment peut-il rassembler un groupe de personnes par la grâce de l'enlèvement pour qu'elles puissent monter? Je ne sais pas comment il va le faire. Ce n'est pas mon affaire de demander comment il le fera. C'est mon affaire d'être prêt pour cela. Il l'a promis. Ça doit arriver. Il a fortifié son Église par la parole. Et la première chose, c'était le raisonnement. Maintenant, ils disent, n'est-ce pas raisonnable, là? Si j'appartiens à cette Église-ci, n'est-ce pas aussi bien que cette Église-là? Il n'y a qu'une seule Église à laquelle vous pouvez appartenir. Vous ne pourrez jamais y adhérer. Vous pouvez adhérer à un club méthodiste, un club presbytérien, et le club baptiste, le club pentecôtiste. Mais vous êtes né dans l'Église de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça l'Église. Les autres sont des clubs où les gens se rassemblent, comme des corbeaux perchés sur cette branche-ci, et les colombes sur cette branche-ci, et tout. C'est la communion que vous avez ensemble, quand vous partagez le même régime alimentaire. Mais quand il s'agit de l'Église de Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule voie, c'est la naissance. La naissance. C'est comme une personne, comme je l'ai dit bien des fois, comme un merle qui se pose sur une branche, qui essaie de mettre des plumes de paon dans ses ailes, et qui dit, « Vous voyez, je suis un paon qui se pavane. » Voyez-vous, il a mis ses plumes lui-même. S'il était un vrai paon, sa nature lui aurait donné ce genre de plumes. Si l'Église du Dieu vivant est l'Église du Dieu vivant, elle produira la parole du Dieu vivant. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de plumes de paon nulle part. Et chaque plume qui s'y trouve viendra du paon. Vous pouvez le croire. Et chaque plume qui se trouve dans l'Église de Dieu sera la parole de Dieu. Il n'injectera jamais rien d'autre que la parole. Amen. Parce que la nature de l'esprit ne produit que la parole. Amen. Je commence à me sentir religieux. C'est vrai. Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, que vous fabriquez. Vous ne pouvez pas fabriquer la relie. Vous ne pouvez pas fabriquer le salut. Vous ne pouvez pas fabriquer les dons. Vous devez porter les dons. Certainement. Voyez-vous, le mouton ne fabrique pas de laine. Il a de la laine parce qu'il est un mouton. Il porte la laine, tout simplement. Le cerisier ne fabrique pas de cerises. Il ne fait que porter des cerises. Parce que la vie qu'il y a à l'intérieur fait en sorte qu'il en soit ainsi. Et l'Église du Dieu vivant n'injecte pas ceci afin de ressembler à quelque chose. Les gens sont déjà ce qu'ils sont par la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu est unie à eux, et ils sont unis à la parole.
et les œuvres qui ont été produites dans celui qui est parfait, Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair, se produiront dans chaque croyant né de nouveau. Il l'a dit. Amen. Rien d'autre. Maintenant, c'est quelque chose de certain. Maintenant, ce serait un peu confus pour un homme s'il n'a jamais connu le vrai son de la trompette. En effet, l'homme qui n'a jamais été formé à reconnaître le son de la trompette et qui ne l'a jamais entendu, eh bien, il pourrait être un peu confus quand il entend un son différent de ce qu'il a entendu avant. Il a toujours entendu « Adhérez à l'Église, apportez votre lettre ici et ici, c'est peut-être en ordre, c'est tout ce qu'il connaît. » Mais ensuite, quand vous revenez sur le sujet du baptême du Saint-Esprit et que vous parlez de la puissance de Dieu et des choses qu'il fait, et comment cela amène les femmes et les hommes, les deux, à se purifier d'une vie de péché, comment cela les amène à marcher dans la piété et l'honnêteté, les choses que cela produit, et ça amène le baptême, le parler en langue, la guérison des malades, le pouvoir de chasser les démons, les prophéties, les dons, oh, les visions, toutes les choses dans l'Église. Alléluia! C'est vrai! Quand ça retentit, alors c'est un peu confus pour ceux qui n'ont jamais entendu ce genre de trompette. Eh bien, vous dites, « Mon Église n'enseigne pas cela. » Alors, elle ne joue pas de la trompette de l'Évangile. Gloire! C'est ça! Mais pour les soldats entraînés, alléluia! Quand ils entendent la trompette sonner, ils savent comment se mettre en position. En avant, soldats chrétiens! Gloire! Oh, cette chose est certaine. Comment savez-vous que c'est certain? C'est dans la parole. Eh bien, vous dites, notre Église n'enseigne pas cela, mais la trompette fait sonner cela. Je ne veux pas être formé dans un credo d'Église, car il chancellera et tombera. Mais si vous êtes formé dans la parole, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Tout credo, tout le reste tombera, mais cette parole ne faillira jamais. Amen. Voilà le son. C'est le son que je veux entendre. Oui, monsieur. Oh, vous dites, comment puis-je savoir? Jésus a dit, mes brebis entendent mon son. Elles connaissent ma trompette. Il a dit dans Jean, chapitre 14, verset 12, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Il a effectivement dit cela. Si un homme dit, eh bien, dans Hébreux 13, 8, il est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, disent-ils, d'une certaine manière. Maintenant, un vrai mouton dira, oh, 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 quelque chose a grincé là-dedans. Ça ne sonnait pas juste. Oh, ça devait être un corps. Ce n'était pas une trompette. Parce que la Bible ne rend aucun son confus. Elle dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Non pas, vous pourriez, vous le recevrez, chacun. Jusqu'à quand? À vos enfants et aux enfants de vos enfants et à ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il sonnera de la trompette dans chaque génération et pour chaque race. Et les gens entendront sa voix. Ils y croiront, ceux qui sont ordonnés à la vie. Amen. Ils y croiront parce qu'ils savent que ça, c'est la trompette de l'Évangile qui sonne. Ce n'est pas confus. Chaque soldat sait comment se mettre en position. Là, vous avez vu Pierre et Jean, Jacques et l'Église primitive marchant en avant de cette façon, parce que la trompette, Jésus a dit, « Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile. » Marc 16, voyez, « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. » Nous voyons Pierre, Jacques, Jean et tous les autres s'alignant, marchant selon cela. Et nous, nous allons dans une autre direction, nous éloignons de cela. L'un avance, l'autre recule. L'un dit, eh bien ça, c'était pour un autre. Ça, ce son, c'était pour un autre. Oh non, ça ne peut pas être ça. Toute l'armée chrétienne entend la trompette. Dieu a dit que c'était la trompette. Il ne peut pas la changer. C'est le son qu'il a dit qui sonnerait. À ceci, tous connaîtront. Et voilà, l'Église s'en ira. Certains d'entre eux ne croient pas à sa venue littérale. La Bible dit qu'il viendra. Alors, nous attendons sa venue. S'il n'est pas ici ce soir, nous l'attendrons demain matin. S'il n'est pas ici demain matin, nous l'attendrons demain soir. Et nous l'attendrons toujours. Si nous nous endormons, notre, nous ne nous serons pas évanouis en vain, car la trompette de Dieu sonnera, cette dernière trompette, et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons là pour toujours.
C'est le son de la trompette. Que je sois vivant ou que je sois parti, cela ne fait aucune différence. J'entendrai le son. Je ressusciterai. Gloire à Dieu. Ressusciterai. Oh oui, oui. Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix. Il était la parole manifestée. Quand le voilà comment ces brebis le connaissent. Maintenant, regardez les pharisiens et les autres à cette époque-là. Oh, ont-ils dit, cet homme est Belzébul. Lorsqu'il a dit à la femme au puits, là, au sujet de ses péchés, des maris qu'elle avait eus. Lorsqu'il a dit à Nathanaël où il était, quand il était sous l'arbre, quand Philippe l'avait appelé, il était sous le figuier, en train de prier. Eh bien, les docteurs de cette époque-là ont dit, cet homme est Belzébul, c'est un démon, c'est un diseur de bonne aventure. Mais ce n'était pas le cas de Pierre, Jacques, Jean et les autres. Ils savaient. Pourquoi? Ils savaient que Dieu avait dit, par la voix inspirée de Moïse, que lorsque le Messie viendrait, il serait un prophète. Et lorsqu'ils ont vu les choses qu'il avait dites manifestées et rendues parfaites, ils ont su que c'était de la nourriture de brebis. Ils ont su que c'était la trompette. Et ils ont commencé à la suivre. Mes brebis la connaissent, parce qu'elles ont vu la parole de Dieu manifestée. Maintenant, les gens aujourd'hui, ils ne croient pas que le baptême du Saint-Esprit existe. Ils se présentent ici ou quelque part où on a le Saint-Esprit. Ils voient la promesse de Dieu s'accomplir parfaitement, car mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent le son de cette trompette, parce que c'est la Bible. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours Hébreux 13:8. C'est exact. Peu m'importe là, ça ne fait aucune différence combien de corps d'église retentissent. Il y a beaucoup de cornistes d'église, vous savez, qui sonnent du cor partout, disant « Oh, les jours des miracles sont passés, la guérison divine n'existe pas. Oh, les vraies brebis ne prêtent pas l'oreille à cela, mais elles prêtent l'oreille à cette trompette. » Voilà, c'est positif. Ce corps d'église peut rendre n'importe quel son. Vous pourriez regarder ce qu'ils ont aujourd'hui, les corps d'église. L'un court par ici et l'autre court par là, et le diable se tient en retrait et dit, « Dis donc, ils se battent entre eux, c'est tout, je n'ai même pas besoin de bouger ma main. » Mes frères, qu'ils prennent tous les armes une fois, qu'ils reviennent à la consigne générale. Oh là là, alors vous verrez un véritable, en avant soldat chrétien. Ils ne prêteront pas l'oreille au corps, mais ils prêteront l'oreille à la trompette. Arrêtons-nous juste un instant, retournons et examinons-en quelques-uns maintenant. Nous allons bientôt terminer, parce que je ne veux pas vous garder ici trop longtemps. Mais retournons en examiner quelques-uns qui ont entendu ce son. Prenons, et ils étaient certains. Maintenant, je vous ai montré que tout le reste est incertain. Prenons un vieux personnage, pendant un instant. Prenons le prophète Job. Là, cet homme est passé par une épreuve, mais il savait que Dieu exigeait un holocauste. C'est ce que Dieu exigeait, et c'est tout ce qu'il exigeait. Et peu importe combien de désastres ont frappé sa maison, Dieu ne fait pas toujours. Quand vous voyez que quelque chose va mal pour quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il est fouetté par Dieu. Il se peut qu'il ne soit pas en dehors de la volonté de Dieu. Il sait dans son cœur s'il écoute la trompette ou pas. Dieu exigeait cet holocauste et Job s'en est tenu à ça, c'est tout. Ils ont dit, Job, tu pèches en secret, tu fais quelque chose de mal. Mais il savait que ce n'était pas le cas. Il s'en est tenu à cela parce qu'il avait entendu le son de la trompette et il s'en est tenu uniquement à cela. Et finalement, tout à la fin, quand il était, le diable s'était déchaîné sur lui et il avait pris sa famille, et il avait pris ses enfants, avait pris ses chameaux, il avait pris toute sa richesse. Il avait ruiné sa santé. Il s'est posé sur le tas de cendres. On aurait dit qu'il avait tout perdu. Mais il a quand même dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. » Rien d'incertain là, n'est-ce pas? Non pas. Je suis porté à penser qu'il vit. Il a dit, je sais qu'il vit, et il se tiendra au dernier jour sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Oh là là, c'est arrivé. Il était absolument certain. Abraham, qui se promenait un jour dans les champs, a entendu Dieu dire, « Abraham, je vais... » Il avait rencontré Abraham avant la parole écrite, et il a dit, « Abraham, je vais te donner un fils par ta femme Sarah. »
Elle avait 65 ans à ce moment-là, et Abraham en avait 75. Et ils se sont préparés pour cela. Et ils n'avaient pas honte de rendre témoignage. Ils savaient qu'il allait avoir le fils. Et la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il avait la pleine conviction. Amen. La pleine conviction. Cela signifie qu'il a rencontré l'absolu. Amen. Voilà. L'absolu est la fin de la route. C'est la dernière chose. C'est le tout. Il a dit, j'ai la pleine conviction que ce que Dieu a promis, Dieu peut l'accomplir. Avez-vous ce soir, avez-vous la pleine conviction que ceci est le Saint-Esprit? Avez-vous la pleine conviction que ceci est le chemin? Avez-vous la pleine conviction qu'il est le guérisseur? Avez-vous la pleine conviction qu'il reviendra? Avez-vous la pleine conviction qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Amen. Une pleine conviction. Oui. Prenons un autre personnage. Élie, debout là-haut sur la montagne. Il avait eu des prises de bec avec Jézabel et son visage peint. Elle commençait à en avoir assez. Presque toutes les femmes prenaient exemple sur la première dame. Peut-être qu'elle se faisait faire des coiffures qui donnent un air d'hydrocéphale et tout ce qu'il y avait à l'époque. Il avait tellement eu de prises de bec à ce sujet qu'il était sur le point d'être complètement déprimé. Et là, Dieu lui a dit, « Descends là-bas. » Tu sais, il pleut environ tous les 2 ou 3 jours chaque semaine par ici. Mais tiens-toi devant Akab et dis-lui, « Ainsi dit le Seigneur, la rosée ne tombera pas du ciel, sinon à ma parole. » Oh là là, il n'a pas dit, « Maintenant, Akab, peut-être que cela arrivera comme ceci. » Oh non, il avait une pleine conviction, rien d'incertain. Il ne tombera pas de rosée. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Amen. Gloire. Oh, pourquoi il avait entendu la trompette? C'était certain. Il connaissait son Dieu. Il savait une chose, c'est que quand Dieu a prononcé une parole, tous les cieux et la terre passeraient. Mais cela arriverait. Il fallait que cela arrive. Il en avait la pleine conviction. Alors il a dit, « Élie, je veux que tu ailles là-haut, à l'endroit le plus sec du pays, tout en haut de la montagne, là où il n'y a pas de source d'eau, mais j'en ai une là-haut pour toi. » Il avait une pleine conviction. Il a gravi la montagne et s'est installé près du ruisseau Kérit. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? J'ai déjà ordonné aux corbeaux de te nourrir. Eh bien, comment les corbeaux? Maintenant, attends une minute, Seigneur. Non, non, la trompette avait sonné. Ça lui avait suffi. Comment cela va-t-il se passer? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Voyez-vous, ce n'est pas à moi de m'en inquiéter. C'est l'affaire de Dieu. Il a dit qu'il a donné l'ordre au corbeau. Eh bien, Seigneur, s'il te plaît, pourrais-tu me l'expliquer et me dire exactement où, à quelle école ces corbeaux sont-ils allés pour apprendre à parler hébreu? Quel genre de cuisinent-ils sur des cuisinières à gaz? Ou ont-ils un feu de bois? Ou comment font-ils? Et où vont-ils? Quel genre d'animal vont-ils tuer? Ce ne sont que de petits oiseaux. Comment vont-ils tuer un bœuf pour moi, pour m'apporter un sandwich au bœuf? Voyez, il n'a jamais posé ces questions. Dieu, la trompette de Dieu, sa voix a retenti et a dit, « J'ai, non pas Élie, je le ferai peut-être. Je l'ai fait, je vais le faire, je l'ai déjà fait. Amen. C'est notre Dieu ce soir. Non pas, il le fera, il l'a déjà fait. Amen. Il l'a déjà fait. Amen. Non pas, il le fera peut-être, probablement qu'il le fera, il l'a déjà fait. J'ai donné l'ordre au corbeau. Il a donné son esprit à tous les hommes. Il a donné ses bénédictions. Il est monté dans les hauteurs et a fait des dons aux hommes. Quelqu'un les recevra et quelqu'un les refusera. Ce n'est pas mon affaire de savoir comment cela arrive. Tant que cela arrive, Dieu a dit qu'il en serait ainsi et c'est ce qu'il en est. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don, le Saint-Esprit. » Comment va-t-il venir? Je ne sais pas. Là, la promesse est pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, vous ne pourriez pas démontrer le contraire par des explications. La trompette a déjà retenti. Et je crois à ça. J'ai obéi à ça. Et je l'ai reçu. Amen.
Maintenant, essayez une fois de m'en dissuader. Amen. Oh, je ne suis pas parfait. Non, comme ce soir-là, la vieille sœur de couleur, elle a dit, « Ancien, puis-je donner un témoignage ?»« Oui, madame. » Elle a dit, « Je veux dire une chose. » Elle a dit, « Je ne suis pas ce que je veux être. » Elle a dit, « Je ne suis pas ce que je devrais être. » Mais il y a une chose que je sais, je ne suis plus ce que j'étais. Donc c'est comme ça que nous nous sentons maintenant. Je ne suis plus ce que j'étais, parce que je suis sauvé ce soir par la grâce de Dieu. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, selon la commission. Il a été déversé là-bas, le jour de la Pentecôte. La promesse a été donnée, et je l'ai cru. Rien d'incertain. J'ai entendu le son, j'y ai obéi, et je suis certain que c'est ce que c'est. Certainement, je le sais, assurément. Siméon, un vieux sage d'environ 80 ans, et cela faisait des centaines d'années qu'il n'y avait pas eu de prophète sur la terre. Mais il se promenait, jouissant d'une grande réputation. Le Saint-Esprit lui a parlé un jour et a dit, « Siméon, tu sais, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut du Seigneur. » Moi, peut-être que le souverain sacrificateur s'est frotté la barbe quelquefois et a dit, « Siméon, tu devrais peigner ta barbe de l'autre côté. » Il a répondu, « Ça ne fait aucune différence. » Comment sais-tu que tu as raison? Le Saint-Esprit me l'a dit. « Je ne mourrai pas. » Eh bien, Siméon, tu es tout près de mourir. Oh, peu importe ce que tu dis, mais Dieu m'a dit que je ne mourrai pas avant d'avoir vu son salut. Rien d'incertain. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avant de le voir. Amen. C'est tout. Comment vas-tu y arriver, Siméon? Moi, ça ne me regarde pas. Où est-il, Siméon? Je ne sais pas. Comment sais-tu que tu vas le voir? Dieu l'a dit, c'est tout. C'est la parole. Je ne mourrai pas avant de le voir. Oh là là. Oh, pauvre vieux. Bien sûr, il n'a plus toute sa tête, vous savez. Alors, laissez-le tranquille. Mais il l'a vu quand même. Oui, monsieur. Dieu pourvoit d'un moyen pour les gens qui acceptent sa parole. Jésus, quand il était ici sur terre, et qu'il se tenait là devant la tombe de Lazare, ou avant cela, lorsqu'il discutait avec les gens, qui disaient que lui, qui n'avait pas encore 50 ans, disait qu'il avait vu Abraham. Avez-vous remarqué combien il était certain? Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. » Non pas « j'étais » ou « je serai », mais « je suis ». J'en suis certain. Et il a dit à la tombe de Lazare, avant de descendre là, il a dit à Marthe, il a dit, « Je suis la résurrection, la vie. » Non pas « je devrais être » ou « je serai », mais « je suis ». Amen. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il a dit, « Ton frère ressuscitera. » Oh, il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection générale. C'était un bon garçon. Oui, je crois qu'il ressuscitera. Mais Jésus s'est redressé un peu et a dit, « Mais je suis la résurrection et la vie. » Non pas, « Je serai, je devrais être » ou ainsi de suite. « Je suis !» Il n'y avait rien de chancelant ou de précaire là. Rien d'incertain. Il n'y avait aucun doute. « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Non, non pas. Ils pourraient ne pas mourir. Ils ne mourront peut-être pas. Ils ne mourront pas. Rien, rien d'incertain là. Ils ne mourront pas. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Ils ne devraient point venir au jugement. Ils ne viendront point au jugement. Amen. Il a subi mon jugement. Je n'ai rien à faire là-bas. Amen. Voilà. Passer de la mort à la vie. Oh, bon. Elle a dit qu'elle croyait cela. Maintenant, Jésus n'a jamais dit, « Eh bien, tu sais, étant donné que tu crois cela, et que tu sais que je suis la parole, tu sais que je suis celui qui devait venir. » Tu l'as confessé, tu le crois. Je vais te dire ce que nous pourrions faire. Rassemblons les anciens et descendons voir si nous pouvons faire quelque chose. Non, non. Il a dit, je vais, non pas, descendons voir si je peux le ressusciter. Je vais le réveiller. Amen. Non pas, je vais essayer. Je vais le faire.
rien d'incertain. Ce n'était pas un son confus quand il a dit « Je le ferai, je le ferai ». Et le même qui a dit « Je le ferai » vous a fait une promesse. Alléluia. Oh là là. Amen. Je vais le réveiller. Il a aussi dit « Détruisez ce temple et je verrai ce que je peux faire. » Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Rien d'incertain. Maintenant, je vais essayer. Vous pouvez tous rester autour et voir si je peux le faire ou pas. Ah non, je le relèverai. Rien d'incertain. Je le relèverai. Vous détruisez-le. Moi, je le relèverai. Oh là là. Pourquoi? Il savait qu'il était cette personne dans l'Écriture dont David a parlé. « Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Et il savait qu'il était inclus dans cette promesse de l'Écriture. Il était donc certain. Maintenant, ne pouvons-nous pas être tout aussi certains? Nous prenons exemple sur lui pour d'autres choses. Tant que la parole de Dieu le dit, ne pouvons-nous pas être aussi certains de la parole qu'il l'était? Je suis la résurrection et la vie. Je le relèverai. Amen. Pourquoi? Il savait que la parole en parlait et il était sûr d'en sortir. Si je suis cette personne-là, dans Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, il ne vient point au jugement, il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est nous. Alors de quoi avons-nous peur? Qu'est-ce qu'il y a? La marque que vous portez, quelle différence cela fait-il? Vous vous appelez ceci, cela ou autre chose. Nous sommes des enfants de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous avons été remplis du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça change quand elle soit cela ou cela, qu'il soit presbytérien, méthodiste, baptiste? S'il est rempli du Saint-Esprit, il a la vie de résurrection en lui. Amen. Oui. Et là, le jour de la Pentecôte, Jésus leur a dit dans Luc 24, 49, « Voici, j'envoie une promesse. Non pas, je le ferai peut-être, je verrai ce que je peux faire, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais montez là, dans la ville de Jérusalem, et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. » Maintenant, s'ils avaient attendu, disons, 6 jours, puis avaient dit, « Qu'est-ce que nous attendons? Je crois que nous devrions l'accepter par la foi. » Qu'en pensez-vous? Et si Jacques avait dit le 9e jour, s'il avait dit « Simon, viens ici un instant. Tu sais, l'autre jour, j'ai eu un drôle de sentiment. Vois-tu? Et sais-tu ce que je crois? Je crois qu'il ne veut pas que nous attendions simplement ici. Je crois que nous l'avons déjà. Qu'en penses-tu? Continuons donc notre travail. Continuons avec notre ministère. Oh, cela ne serait jamais arrivé. Pourquoi? Il savait ce que le prophète avait dit. Maintenant, écoutez, le prophète a dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, le sabbat. Il savait que quelque chose devait se passer quand il viendrait. Je répandrai mon esprit au dernier jour. Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit en ce jour-là. Je ferai paraître des signes en haut dans le ciel et en bas sur la terre, du feu, de la fumée et de la vapeur. Il savait que cette venue du Saint-Esprit devait être accompagnée d'une certaine expérience. Ils n'acceptaient pas un son confus. Mais quand ils ont senti cette chose se mouvoir et qu'ils ont vu que cela concordait avec les preuves bibliques, ils n'étaient pas incertains. Ils sont sortis dans les rues. Excusez-moi. Oh là là. Ils étaient certains que c'était le Saint-Esprit. Vous savez à quel point ils en étaient certains? Jusqu'à ce que Pierre, ce brave homme sans instruction, saute sur une souche ou une boîte ou quelque part et dise « Homme de Judée !» Il se bombait le torse comme un coq nain. Il a dit « Homme de Judée, vous qui séjournez à Jérusalem, j'avais peur de vous auparavant, je n'ai plus peur maintenant. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais ceci, c'est cela. » Nous espérons que c'est cela.
nous croyons que c'est cela. Il a dit, ceci, c'est cela qui était dit par le prophète Joël. Alléluia. Rien d'incertain là. Ceci, c'est cela qui était dit par le prophète Joël. Oh là là. Jésus a dit dans Marc 16, il a donné la commission à son Église, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile. Ces signes devraient peut-être, ils le feront peut-être de temps en temps, ils accompagneront ceux qui auront cru. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Non pas peut-être, ils seront guéris. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Laissez-moi résumer en disant ceci, frères, sœurs, pendant les prochaines minutes. J'y crois. Je crois que tout le reste, tout ce qui est contraire à cela n'est pas juste. Je crois que tout ce qui est contre cela tombera. Je crois, peu m'importe le nombre de communismes ou le nombre de ces ismes-ci, cet isme-là, l'isme de l'Église, le romanisme et tous les autres, les américanismes, toutes ces choses tomberont. Mais cette parole tiendra ferme éternellement, parce qu'elle est une parole. Et avant d'être une parole, il faut que ce soit une pensée. Et une parole est une pensée exprimée. Et Dieu, dans l'éternité, cela était dans sa pensée. Il a exprimé ses pensées. C'est devenu une parole. Et la parole doit être manifestée. C'est la raison pour laquelle, quand il a parlé d'un Messie, il fallait qu'un Messie vienne. Il a dit qu'il y aurait une Église dans les derniers jours, sans tache ni ride. Il y aura donc une Église. Alléluia! Il l'a dit. Je le crois sur parole. Je le crois. Je crois qu'il a promis le Saint-Esprit à tout croyant qui croira. Je crois que Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il a prêché ce sermon remarquable et qu'il leur a dit à tous de se repentir et d'être baptisés, que ces signes viendraient. Et ceci, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois que c'est la vérité. Je m'y suis tenu. J'en ai vu la manifestation. Je sais que je mène un combat. Et je sais que j'essaye de faire un pas, mais avant de faire un pas, je dois couper tous les enchevêtrements, les ronces et tout le reste, pour les enlever du chemin. Mais chaque fois que vous faites un pas, vous avancez. Amen. Prenez le couteau et coupez. Beaucoup d'entre vous se souviennent de Paul Rader, un ami très précieux. Je n'étais qu'un jeune prédicateur, tout jeune. J'avais l'habitude d'aller à Fort Wayne pour l'écouter, au Rediger Tabernacle. Un grand gaillard. Il reculait, remontait son pantalon, levait la main et grognait comme un ours. Et je pensais qu'il allait sauter par-dessus la chaire. Et il commençait avec un sujet, ah oui, dans la Genèse, et se retrouvait dans l'Apocalypse, parcourant le livre d'un bout à l'autre. Paul était tout un homme. Alors qu'il parlait un jour, il a dit, « J'étais bûcheron dans l'Oregon, d'où il venait. » Il a dit, « Un jour, vous savez, il a dit, « J'étais juste dans les champs de mission, quelque part très loin. Je ne me souviens plus où c'était. » Il faisait du travail missionnaire. Il croyait en Dieu. Il croyait en la guérison divine. Et Paul a dit, à l'endroit même où se trouve l'Église mondiale aujourd'hui, il a dit, « Si j'avais apporté mon message de grâce aux ardents pentecôtistes, au lieu de faire ce que j'ai fait ici avec vous, a-t-il dit, et cela m'a causé beaucoup de soucis. Je me retrouve avec des milliers de dollars de dettes. Je me suis fait tellement de soucis que j'ai maintenant un cancer et je suis en train de mourir. Si j'avais apporté mon message de grâce aux ardents pentecôtistes, Dieu m'aurait abondamment béni pour cela. » C'est vrai. Il a dit qu'il était là-bas, dans la jungle, et qu'il a eu la fièvre bilieuse ou quelque chose comme ça. C'était terrible. Il était loin dans la jungle et il était en croyant ferme dans la guérison divine. Il a dit qu'il était de plus en plus malade. Il a prié et prié. Et certains des missionnaires ont dit qu'ils allaient prendre un bateau pour aller chercher un médecin. Or, aller chercher un médecin leur prendrait des jours. Et il a dit, « Ne faites pas ça. Laissez faire. » Il a dit, « Si Dieu ne me guérit pas, alors je rentre à la maison. » Alors, il a dit que sa femme est restée dans la pièce avec lui. Il faisait de plus en plus noir. Il a appelé sa femme et lui a dit, « Chérie, prends ma main. » Il a dit, « Continue de prier pour moi. » Il commence à faire noir maintenant. Il a dit, « Je crois que les ombres tombent autour de moi. » Il a dit, « Tiens,
tient ma main et prie alors que je pars. Il s'est préparé à rencontrer Dieu. Il est, en quelque sorte, entré en transe. Il a dit qu'il a rêvé qu'il était de nouveau dans l'Oregon. Il était un jeune homme en train de couper du bois. Et il a dit que le patron du camp a dit, « Paul, va là-bas, sur un certain flanc de la colline, et coupe un certain arbre, d'une certaine taille. » Il a dit qu'il a couru jusqu'en haut de la colline, avec ses jeunes jambes. Puis il a abattu l'arbre, l'a ébranché, et y a enfoncé sa hache. Il a dit que sa grande hache à double tranchant s'est enfoncée facilement dans ce pin si tendre. Il a dit qu'il l'empoignait et s'est dit, « Eh bien, je vais le transporter jusqu'en bas de la colline. » Un homme très fort. Il a dit, « Je m'étais exercé à mettre mes genoux ensemble d'une certaine manière et à soulever ça sur mon dos, la partie la plus grande d'un homme. Ses muscles étaient dans son dos et ses épaules et l'arrière de ses jambes. » Il a dit, « Je pouvais soulever un gros rondin, le poser sur son épaule et s'en aller. » Mais il a dit, « C'était juste un rondin ordinaire. » Mais a-t-il dit, « J'ai juste... » Pardonnez-moi. Il a dit, « Je n'arrivais simplement pas à déplacer ce rondin. » Pardonnez-moi. Il a dit, « Je n'arrivais simplement pas à déplacer ce rondin. » Il a dit, « J'ai lutté et j'ai lutté et j'ai essayé de le soulever, mais je n'y arrivais pas. » Il a dit, « J'ai épuisé toutes mes forces. » Il a dit, « Je n'arrivais simplement pas à déplacer ce rondin. » Et il a dit, « Finalement, je suis devenu si faible que je me suis assis contre l'arbre et j'ai commencé à essuyer ma sueur. J'étais complètement épuisé. » Et il a dit, « Après un certain temps, j'ai entendu la voix de mon patron. » Mais il a dit, « C'était la voix la plus douce que j'ai jamais entendue. » Et il a dit, « Quand je me suis retourné, la voix m'a dit, « Paul !» Et j'ai dit, « Oui, patron, qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit, « Pourquoi essayes-tu de le tirer comme ça ?» Il a dit, « Eh bien, vous m'avez ordonné de la porter au camp, mais je suis complètement épuisé à force d'essayer. Je n'y arrive pas, patron. » Il a dit, « Paul, ne vois-tu pas ce cours d'eau qui coule juste là ?» Il a dit, « Oui. » Il a dit, « Ce cours d'eau descend jusqu'au camp. Pourquoi ne pas simplement le basculer dans l'eau, sauter dessus et le chevaucher jusqu'au camp ?» Il a dit, « Je n'y ai jamais pensé. » Alors, il a fait rouler l'arbre jusque dans l'eau, a sauté dessus et a dit, « Oh là là !» Il s'est mis à faire des éclaboussures et a sauté et a crié à tue-tête alors qu'il passait par-dessus les petites vagues et qu'il descendait le cours d'eau et tout. En chevauchant ce rondin, en descendant, il criait à tue-tête, « Je chevauche dessus ! Je chevauche dessus !» Il a dit que tout à coup, il est revenu à lui. Il se trouvait en plein milieu de la pièce. Lui et sa femme poussaient des cris ensemble. Il cria tue-tête, « Je chevauche dessus! Je chevauche dessus! Je chevauche dessus !» Frères, les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits. Les jours des nations sont comptés. Ils seront remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Ce message de la parole de Dieu est la vérité. Que je vive ou que je meure, je la chevauche. Je ne fais pas d'histoire avec elle. Je n'essaye pas de faire des histoires à son sujet. Je la prends telle qu'elle et je la chevauche. Que les critiques s'élèvent. Je franchirai chaque vague. Je vais arriver au camp un de ces jours. Chevauchons la parole de Dieu. Amen. Je suis certain d'y arriver. Prions. Pourquoi lutter avec le fardeau de vos péchés? Pourquoi rester dans cet état? Ne pas savoir où vous en êtes? Courir d'église en église et de lieu en lieu? Pourquoi ne pas tout abandonner sur la croix ce soir et chevaucher la parole? Pourquoi ne pas prendre la promesse de Dieu ce soir et sortir du pétrin en la chevauchant pour aller dans le grand ciel ouvert comme ça? Ne luttez pas contre elle. Ne vous en inquiétez pas. Croyez-la simplement. Acceptez-la. C'est un royaume inébranlable. Chevauchez-le. Si vous êtes malade ce soir, prenez la promesse de Dieu. Je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Comment vais-je me rétablir, frère Branham? Le docteur dit que j'ai un problème cardiaque, j'ai un cancer, j'ai ceci, cela, ou peu importe ce que c'est. Je suis sourd, muet, je suis aveugle. Qu'est-ce que ça change? Acceptez simplement la promesse de Dieu et chevauchez dessus. Prenons un grand bâton, enfonçons-le ici et écrivons sur le dessus. La prière de la foi a été offerte ce soir. Je vais chevaucher dessus. La Bible a dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu le relèvera.
S'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Je chevauche dessus. Je crois cela. Si vous avez fait quelque chose de mal, si vous êtes rebelle ce soir, celui qui cache son péché ne prospère point, mais celui qui confesse son péché obtient miséricorde. Pourquoi ne pas le confesser? Alors, que dois-je faire, frère Branham? Confessez-le, et ensuite, chevauchez dessus. Dieu l'a dit, cela vous éloignera tout de suite de votre péché. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui n'a jamais vraiment mis sa confiance en Dieu pour le salut de son âme et qui aimerait qu'on se souvienne de lui dans la prière alors que nous terminons? Voudriez-vous simplement lever la main, dire « Priez pour moi, frère Branham. Je veux me décharger de mes soucis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux me décharger. Que Dieu vous bénisse, madame. Je veux me décharger de mes soucis. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse là-bas, monsieur. Que Dieu vous bénisse, jeune femme. Très bien, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Je veux décharger tous mes soucis sur lui et chevaucher sa promesse maintenant. Je crois qu'il a fait cette promesse. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Non pas ce que je ressens. On a prié pour moi hier soir, frère Branham. Je ne me sens pas mieux. Ça n'a rien à voir avec cela. Je ne chevauche pas mes sentiments. Je chevauche sa parole. C'est sa promesse. Frère Branham, je suis allé à l'autel 4 ou 5 fois pour essayer de recevoir le Saint-Esprit. Je ne l'ai jamais reçu. Ça ne veut rien dire. Restez juste sur le rondin. Ça vous amènera tout droit au camp des premiers-nés, au camp des saints. Vous y arriverez. Restez sur votre rondin et criez et hurlez les louanges de Dieu aussi fort que vous le pouvez. C'est comme ça qu'il faut faire. Pendant que nous avons la tête inclinée, voulez-vous vraiment chevaucher dessus? Puis cette petite chose qui frappe doucement à votre cœur, voudriez-vous vous avancer ici et vous tenir devant l'autel 1 minute et nous laisser prier pour vous et vous imposer les mains? Nous serions heureux que vous vous avanciez. Considérons ce petit quelque chose qui a été mis autour de votre cœur ce soir et qui dit « Tu sais que tu as tort. Maintenant, lève la main. » Très bien. Vous avez marché sur le rondin de sa promesse, l'arbre, la croix qui était coupée. Entourez cette croix de vos bras maintenant. Marchez jusqu'ici et dites, « Maintenant, je vais chevaucher dessus. Je vais croire cela maintenant même. Je vais l'accepter. Je crois cela. Je ne m'en écarterai jamais. Je vais m'en tenir strictement à cette parole jusqu'à ce que celle-là soit confirmée. Et ensuite, après que celle-là est confirmée, je vais en prendre une autre, monter dessus et me mettre à la chevaucher. » Voyez-vous? Et mot par mot, étape par étape, vous posséderez tout ce que Dieu vous a promis, car tout est possible à celui qui chevauchera dessus. Chevauchez sa promesse, car c'est certain qu'elle vous amènera au camp et vous amènera dans la présence de Dieu. Voulez-vous vous avancer maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, et on demande à tous ceux qui voudraient se tenir à l'autel de venir pour un moment de prière. Je chevauche dessus, Seigneur. Seigneur, je crois. Tous mes doutes ont été ensevelis dans la fontaine. Seigneur, je viens. Je crois cela. Je m'appuie sur la parole ce soir et je vais croire cela de tout mon cœur. Je te prends au mot. Une précieuse femme se tient ici devant l'autel pour prouver à Dieu qu'elle est sérieuse. Ne voulez-vous pas venir, vous qui aviez la tête inclinée, les mains levées, et qui vouliez qu'on se souvienne de vous dans la prière? Voulez-vous simplement vous avancer ici? Que Dieu vous bénisse. Avancez-vous simplement. C'est ça. Avancez et tenez-vous ici. Dites, je vais chevaucher dessus. Dieu, tu as fait la promesse. Quelque chose a frappé à mon cœur. Et je viens maintenant pour chevaucher dessus. Et je vais rester dessus jusqu'à ce qu'il m'amène au camp. Je descends vers le camp des saints du Très-Haut. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Avancez-vous maintenant, vous qui voulez chevaucher dessus, tel que vous êtes, tel que je suis, sans rien à moi. Souvenez-vous, vous dites, est-ce que c'est un arbre? Oui, il y a un arbre qui a été coupé une fois et on l'a replacé de nouveau sur le calvaire. Sautez simplement sur cet arbre ce soir, avec les promesses de Dieu, la parole qui était suspendue à cet arbre. Je chevauche dessus, je vais croire cela de tout mon cœur. Je veux au moins m'avancer ici et serrer la main de mes frères. Que Dieu vous bénisse pour la merveilleuse position que vous avez prise. Je veux que vous restiez ici, juste un moment, pendant que nous prions. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Ma précieuse sœur, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Guide-moi, il vous guidera pour traverser le fleuve.
Souvenez-vous, en tant que serviteur de Christ, je suis responsable de prêcher la parole. Je suis responsable de mon témoignage. Et est-ce que je me tiendrai ici ce soir, moi, un homme de 55 ans ou 53 ans, qui en aura 54 en avril, je me tiens ici et je sais que, et selon cette dernière vision, ce pourrait être mes derniers jours sur terre. Je pourrais vous quitter dans quelques jours. Je ne sais pas ce que cela signifie. Écoutez la bande et tirez-en votre propre conclusion. Je ne sais pas ce que cela signifie. Est-ce que je me tiendrai ici, moi qui suis porté à croire qu'il se peut que les derniers messages que je vais prêcher, c'est ici, à Phoenix, et dire quelque chose de faux, alors que je sais que ma destination est là-bas et que je serai jugé par mes paroles? Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Vous avez assisté aux réunions. Vous savez ce que c'est, le discernement et les choses. Vous ai-je une fois dit quelque chose, au nom du Seigneur, qui ne soit pas arrivé? Je le demande à n'importe qui. Non, monsieur. Dans le monde entier et les milliers de visions, ça n'a jamais été le cas. Je vous dis la vérité ce soir. Le sang de Jésus-Christ est largement suffisant pour effacer toute tache, et ça le fera. Il y a une source remplie du sang, et vous vous tenez devant elle maintenant, des veines d'Emmanuel. La seule chose sûre qu'il reste sur terre, tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Je vais demander à ces ministres maintenant et aux frères, si vous voulez bien avancer ici parmi ces gens, tous ceux qui sont... Est-ce la manière dont vous appelez les ministres à prier avec les gens? Tous les ministres ici, alors, qui veulent, qui sont intéressés à voir des âmes sauvées, venez ici et tenez-vous comme un groupe de prière, afin que nous puissions nous unir, nous éloigner et nous séparer de tout le reste. Voici des hommes et des femmes qui scellent leur destination ce soir par le sang de Jésus-Christ, le prenant à sa parole, en chevauchant jusque dans sa présence, sur sa parole, disant « Me voici, Seigneur, je n'ai rien à offrir que moi-même. Prends-moi. Voulez-vous venir, vous placer ici avec eux, si vous le voulez bien? Tous ceux qui le veulent, venez et placez-vous ici. Que Dieu vous bénisse, mes frères. C'est très bien. J'aime voir des hommes vaillants qui s'intéressent aux âmes. Je suppose, mes frères, que c'est bien ça. Venez par ici. Bien, placez-vous autour. Maintenant, si la pianiste veut bien se mettre à jouer de la musique, chantons ce cantique, doucement maintenant, sainement, avec respect. Nous n'approchons pas de quelque chose de mythique. Nous n'approchons pas quelque chose qui n'est qu'un un faux semblant. Mais nous entrons dans la présence de Dieu, l'omnipotent Jéhovah Dieu, celui qui a promis que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Parlez-lui comme vous le feriez avec un ami. Dites, « Seigneur, je suis désolé, j'ai péché. » Nous allons chanter. Il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Le brigand mourant vit avec joie, cette source de vie en son jour. Et moi qui suis vil comme lui, j'y puis laver mes péchés. Ever since by faith I saw that stream. Depuis que par la foi j'aperçois ce flot coulant de tes blessures, je redirai sans me lasser ton amour rédempteur. Soyez tout petit maintenant. Vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien, chacun d'entre nous. Alors sincèrement, de tout votre cœur, inclinez la tête, et votre cœur aussi, partout dans le bâtiment. Notre Père Céleste, je sais que tes paroles sont absolument vraies. Elles ne peuvent pas faillir. Elles sont la parole de Dieu. Elles sont Dieu. Et tu as dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et ces hommes et ces femmes se sont repris dans leur conscience, sachant qu'ils ne sont pas en règle, se sont avancés ce soir, Seigneur, pour confesser qu'ils ont tort, sachant que quelque chose qui vibrait en eux les a poussés à avancer et les a conviés à venir à la fontaine. Et les voici debout, la tête et le cœur inclinés,
pour boire des eaux de la vie gratuitement, qui ont été promises par Dieu. Reçois-les, Père, dans ton royaume. Ils sont à toi. Tu as dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que mon Père m'a donnés viendront à moi. » Et cela montre que Dieu les a donnés à Christ comme un cadeau d'amour. Et les voici, Seigneur. Aucun homme ne peut les arracher de ma main. Et je te prie, ô Dieu, de les mettre à l'abri ce soir, alors qu'ils se tiennent ici. Donne-leur le baptême du Saint-Esprit, pendant qu'ils sont ici à l'autel. Que la grande puissance de Christ puisse tellement saturer leur vie maintenant. Ils ont fait leur confession. Ils se sont avancés. Tu as dit, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. » Nous savons que cette œuvre est accomplie. Maintenant, Seigneur, scelle-les dans le royaume de la promesse du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Répands ton esprit sur eux et remplis-les de l'Esprit du Dieu vivant, afin qu'ils soient des témoignages vivants tous les jours de leur vie pour le royaume de Dieu. Que tout le monde dans l'auditoire se lève maintenant. Que tout le monde soit en prière maintenant. Nous allons prier pour que ces... Eh bien, chacun de vous qui vous êtes avancé ici ce soir, avec sur votre cœur ce sentiment de péché, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de croire cela. Le Saint, c'est par la foi qu'on accepte ceci. Vous acceptez, c'est ça la foi. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viennent à moi, il les recevra. Il ne peut rien faire d'autre, parce que c'est ce qu'il a promis. Voyez-vous, ne vous appuyez surtout pas sur une sensation. Appuyez-vous sur sa parole. Voyez-vous, c'est la parole qui le dit. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a, au présent, la vie éternelle. Et ne viendra point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Saint-Esprit, c'est une expérience du remplissage et du revêtement de la puissance pour le service. Mais confesser et recevoir Christ, c'est avoir la foi. Vous faites votre confession, puis vous vous sentez libre, parce que Dieu vous a pardonné vos péchés. Et sur la base de sa parole, il a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. » Voyez-vous, maintenant, c'est Dieu qui vous a attiré premièrement. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Voyez, voyez, vous l'avez reçu. La seule chose, vous avez, il est mort pour vous. Vos péchés ont été pardonnés il y a 1900 ans. Vous venez simplement maintenant accepter ce qu'il a fait pour vous. Voyez-vous? Et croyez-vous qu'il est mort pour vos péchés? L'accepterez-vous comme votre victime expiatoire? En d'autres termes, vous l'acceptez, car il a pris vos péchés. Allez-vous vous réjouir et le remercier d'avoir pris vos péchés? Vous croyez qu'il l'a fait? Alors, levez simplement la main. Dites, « Je crois qu'il prend mon péché. » Amen. Prends mon péché. Très bien. Alors, vous êtes maintenant un candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas reçu le baptême chrétien, l'un de ces hommes ici veillera à cela, que vous soyez baptisé du baptême chrétien. Alors, comme Pierre prononçait encore ces mots, avant qu'il ne soit baptisé, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Pourquoi? Ils étaient tous dans l'expectative. Maintenant, vous êtes dans l'expectative. Vous voulez quelque chose maintenant qui vous scellera dans le royaume de Dieu, quelque chose qui sera réel pour vous. Vous voulez, ne voulez-vous pas recevoir le Saint-Esprit, chacun de vous? Ne le voulez-vous pas? Bien sûr que oui, c'est la puissance qui vous maintient. Voyez-vous, ils étaient là, dans la chambre haute, priant en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et revêtus de puissance. Voyez-vous, oh, c'est ce que vous voulez maintenant, et vous pouvez l'avoir en ce moment même. C'est pour vous, maintenant même. Avancez, frères, tout le monde maintenant, imposons les mains sur ses frères et prions qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Avancez, frères. Avancez. Maintenant, toute l'assemblée, levez les mains, tout le monde. Notre Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, remplis chaque cœur ici du baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ces gens ici qui sont debout,
et qui attendent que la présence et la puissance de Dieu saturent leur vie.